Bonjour, Vincent Garinck. Bim. Alors, je vais vous parler d'un petit garçon qui s'appelle Alex Terrier Thiébaut, qui jouait dans ma série Le Mensonge, qui est passé sur France 2 cet automne. Et c'était un petit génie, il était vraiment génial. Ça a été un vrai bonheur. Il était extraordinaire, il nous donnait des leçons de jeu sur le plateau, quoi. Il était tellement bon. Et en fait, il n'apprenait pas le texte par cœur, il l'apprenait une fois ou deux, il le lisait une fois ou deux un peu la veille. Et donc, du coup, il arrivait à jouer, mais sans qu'on voit qu'il jouait, quoi. Il faisait vraiment un truc complètement réaliste. C'est pas un gamin qui s'est retrouvé dans les castings d'enfants poussés par ses parents. C'était vraiment un désir propre à lui. C'est lui qui, un jour, a montré à ses parents « Tiens, j'aimerais bien faire ce qu'ils font là à la télé ». C'était beau comme ce gamin de 10 ans se mélanger avec une équipe d'adultes. Moi, je me rappelle un moment, on tournait dans une chambre d'enfants. Et puis à un moment, il redevenait enfant en fait. C'est-à-dire qu'entre deux prises ou entre deux plans, pendant que les adultes travaillent, refont les lumières, etc., comme on était dans une chambre, il y avait des jouets, puis il se remettait à jouer comme un gamin de 10 ans. En fait. Et puis au moment où on disait, bon, bah, essayons, on y tourne moteur, hop, il arrivait, il se remettait dans la concentration, dans le monde des adultes, et il jouait avec nous. Je crois que c'est le souvenir de cette série, ce sera ce gamin. Quoi.